Comment ça va aujourd'hui? Très bien, mon copain et Bobby. On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Mais vous êtes en tenue là? Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la finale. Oh, la finale, bien sûr, de l'Euro 2016. Mais qui est en finale? La France et le Portugal. Oui, et oui, vous avez bien entendu les copains et les copines, mais je pense que vous le saviez déjà, la France est en finale. C'est l'événement. Et on espère, bien sûr, qu'on va gagner. Alors, pour fêter l'événement, on a trouvé un petit ballon. Hein, attention. Et voilà, waouh, le beau ballon avec tous les drapeaux de l'Euro 2016. Alors peut-être pas tous parce qu'ils rentreraient pas, mais plusieurs drapeaux déjà. Swan, c'est toi qui va nous montrer où est le drapeau de la France, Swan? C'est lequel? Oui, c'est celui-ci, bravo. Et donc on va jouer contre qui? Le Portugal. Le Portugal. Ah bah, tu viens de lui montrer, c'est facile. Et voilà, le drapeau du Portugal en effet. Donc avec ce ballon, on va pouvoir continuer de s'entraîner, hein, ça on sait faire. Et puis je vois autre chose devant vous, un drapeau qui est en quoi? En pâte à modeler. Oui, drapeau français en pâte à modeler. Oh, pourquoi on a fait un drapeau comme ça? Enfin, c'est joli, hein, mais est-ce qu'on a mis quelque chose dedans? Oui, des surprises. Ah, vous le savez déjà? Oui, en fait, bien sûr. Qui c'est qui m'a aidé à préparer le drapeau? Moi. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, Néo est venu m'aider. Alors par contre, pour les surprises de Néo, là, j'étais toute seule, évidemment. Oui. Donc Néo ne sait pas encore ce qu'il va avoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à défaire ce joli drapeau pour découvrir vos surprises? Oui. Qui c'est qui commence? Moi. Ah. Je sais pas comment vous débrouillez, c'est effectivement, il y a toujours quelque chose. Oula. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est, Herc? Horrible. La première surprise de Swan, c'est une boîte de Fungus Amungus. Ce sont des petits monstres. Donc il y en a deux dedans, des petits monstres qui s'éveillent. On va vous montrer ça dans un petit instant, les copains et les copines. Est-ce qu'il y a une autre surprise? Oui. Oui? Oh là là, tu nous montres? Et là, ce sera un peu mystère. Ah, mystère. Qu'est-ce que c'est, cette deuxième surprise? Dis donc, c'est grand. Ouais. Wow. Wow, c'est quoi? C'est une maison hantée. Une maison hantée. Oh, le bonheur de Swan, un rêve qui se réalise. C'est pas une vraie? Voilà la maison hantée de Swan. Alors précisément, c'est même un hôtel hanté. Ce sont les Zomlins. C'est comme des zombies. Donc il y a des petites maisons et des zombies à l'intérieur. Donc dans cette maison-là, normalement, on doit trouver des zombies qu'on va vous montrer dans un petit instant. Voilà, Swan a découvert ses deux premières surprises. Autour de Néo? Oui. Ah, allez Néo, tu peux commencer par ton côté. Voilà, c'est le bleu pour Néo. Non. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est de la pâte à modeler. La pâte à modeler? C'est une boîte de pâte à modeler en fait. Parce que sinon, on n'arrivait pas à faire un drapeau à peu près correct. Donc la surprise est à l'intérieur de la boîte. Mais c'est pas de la pâte à modeler, hein. Ça, c'est pour ce soir. C'est pour que devant la télévision, vous soyez en phase. Ah, oh, c'est super! Oui, ça se gonfle. C'est comme des frites gonflables. Ça permet un petit peu de se taper dessus aussi. Hein. Je pense que ça va vous plaire. C'est comme la main gonflable. Voilà les copains et les copines. À l'intérieur, c'est une paire de bangers gonflables. Effectivement, je pense que ça va animer notre soirée. Et alors, deuxième surprise pour Néo. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un château. Il est habité? Ouais, on dirait. Mais il y a plein de figurines dedans. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Oui, ce sont des World of Warrior. Ah, c'est quoi World of Warrior? Alors, c'est un jeu vidéo? Oui, un petit jeu vidéo. Un jeu en ligne, je crois, hein, précisément. Alors voilà déjà le petit château World of Warrior avec un des personnages qui se trouvait à l'intérieur, une des figurines. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, on va vous les montrer dans un petit instant. T'en as eu combien en tout, Néo? J'en ai eu 8. Wow, 8 figurines, bah dis donc, ça fait du monde. Alors chacun a déjà ouvert deux surprises et
Je crois qu'il en reste encore dans la partie blanche du drapeau. Ouais. Et normalement, là-dedans, il y a une surprise pour chacun d'entre vous. Allez, tous les deux, une surprise pour chacun. Alors, qui a quoi? Là, tu as une carte Pokémon. Ah, Léo, t'as eu quoi, toi? Des cartes Pokémon. Oh, 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 ça va encore augmenter la collection, fais voir. Et toi, Swan? Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose de bizarre. C'est Tortue Ninja. Oh, Tortue Ninja. Il est où le film Tortue Ninja pour l'instant? Au cinéma. Oui, et qui c'est qui a envie d'aller le voir? Moi. Eh oui. Oui, oui, je pense qu'on va y aller d'ici la fin du week-end. Alors les copains et les copines, voilà déjà les cartes Pokémon de Néo, voilà, pour augmenter encore sa collection. Et la surprise de Swan, c'est donc une surprise Tortue Ninja. C'est en fait une tortue mutante, voilà, qui est là-dedans. Dans un liquide très très visqueux. C'est du slime visiblement. Voilà. Ça va encore être quelque chose d'assez horrible, je pense. C'est parti pour l'ouverture des surprises? Ouais. Moi je commence par celle-là. Bah si tu veux, vas-y. Alors, Swan ouvre sa maison hantée. Elle est très jolie cette petite maison, hein. Ouais. Plein de relief, c'est bien fait, hein. Bon, en fait, c'est un petit hôtel, précisément. Un espèce d'hôtel hanté, un peu comme dans Hôtel Transylvanie. Alors, en fait, c'est une boîte magique. Attention, vous êtes prêts? Je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Rien. Bah, rien. Oh, bah alors? Normalement, il y a des figurines dedans. Elles sont où, les figurines? On referme. On referme, attention. Est-ce que vous êtes prêts? On tente le tour de magie, abracadabra. Ah ah! Tadam! Et voilà, il y a les figurines cette fois-ci. Le chien et celui avec la clé. Waouh! Et voilà les deux zombies qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel magique. Donc il y a une espèce de chien et puis un zombie avec une clé, ça doit être le portier, je pense. Hein. En tout cas, c'est très sympa. Hein. Les figurines sont sympas. L'hôtel magique est excellent. Ouais, c'est une belle surprise. Alors, c'est comment ces surprises, Swan? Super bien. Super, t'es content? Ton hôtel à zombies là, c'est bien? Néo, c'est ton tour? Oui. Alors, tu nous présentes quoi en premier, Néo? Les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, alors vas-y. Alors, voilà ce qu'il y avait dans ce booster. Donc, on a Chanchidou, Chuchmur, des dons sympas quand même, hein. Vipélière, Fennec, Rondoudou, ouais, adorable. Hyperball, Goupelin, Spray des évoluants, Ammonita, spécialité de fillette, pourquoi pas, et voilà. En tout cas, tu ne les avais pas celles-ci, hein? Non. Ah super, pas de double pour l'instant. Swan, c'est ton tour. Tu veux ouvrir quelle surprise maintenant? Ouvrir ça. Ah, les tortues ninja. On va voir ça. À mon avis, c'est affreux, hein? Donc là, c'est l'instant de vérité. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce tube. T'es prêt, Swan? Fais voir. On enlève ça. On enlève ça. Et là, on ouvre. Ah oui, c'est bien, bien gélatineux. C'est encore du slime. Bon, ben, Swan, on va te laisser repêcher la petite tortue qui est à l'intérieur. Hein. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Vas-y, tire. Alors c'est une tortue? Oui. Elle est sauvée. Je pense que c'est une future tortue ninja en fait, hein. Voilà, c'est ça, tortue mutante. C'est le tout début de l'aventure des tortues ninja. Oh, il est super sympa ce slime. Comment tu le trouves, Swan? Très joli. Bah oui, il est beau. Gluant. Très gluant, oui. Ça c'est sûr, très gluant. Mais il est aussi tout irisé, un peu pailleté. Oui, il est magnifique ce slime. Néo, c'est ton tour? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer de plus près maintenant? Je viens des World of Warrior. Alors c'est parti. On va
faire connaissance avec toutes ces petites figurines. On peut fixer le petit personnage sur le haut du château ou à l'intérieur du château. Alors, il y a celui-ci, mais je crois que c'est peut-être déjà celui qu'on vous a présenté tout à l'heure. Celui-là également, version jaune. Ils sont jolis, les transparents, hein. Là, on en a un bleu, très sympa. Un petit peu, il fait un peu peur avec sa tête. Oui, celui-là, oui. Il est pas très gentil. Pas très sympa, c'est sûr. Un autre guerrier, un petit peu plus traditionnel. J'ai l'impression que c'est le même, mais là, il est transparent et vert. Il y a encore celui-ci avec ses moustaches. Et voilà, le dernier. Qu'est-ce qu'on ouvre maintenant, Swan? Eh ben oui, la dernière surprise, bien sûr. Les Fungus Amungus. Tu nous montres ça? Y'a rien dedans? Oh, incroyable! Bah, elle est où la surprise? Ah bah non, y'a rien! Ah, d'accord! Bon bah, les copains, les copines, désolée, mais en fait, bah, effectivement, la boîte est vide. Alors là, c'est bien la première fois que ça nous arrive. On a acheté ça dans un magasin de jouets. Je sais pas si on dit leur nom ou pas, parce que là, ça va pas leur faire vraiment une bonne pub, en fait. Voilà, donc on a acheté ça, on l'a bien payé, et la boîte est vide. Oh, désolée Swan, ça va? T'es pas trop déçue? Bah désolée mon cœur, hein, désolée vraiment, c'est pas de ma faute, je suis désolée mon poussin. C'est, à mon avis, c'est des gens qui se sont servis dans le rayon et qui ont pris les surprises. Mais on va retourner au magasin et on va leur dire qu'ils nous ont vendu une surprise vide. Et voilà, bah y a des gens qui se sont servis, qui ont vidé la boîte et nous, bah on a acheté la boîte en pensant qu'elle était pleine. Bah oui, j'ai bien vu mon poussin. Mais promis, je vais retourner au magasin, j'irai te rechercher les Fungus Amungus. Et promis, les copains et les copines, on vous montrera ce que c'est en vidéo dès qu'on les aura eus pour de vrai. Et encore désolé pour la mauvaise surprise. Dernier cadeau pour toi, Léo? Ouais. Alors, montre-nous ça. Ça se gonfle du coup, hein. C'est marrant, ça gonfle. Alors, c'est parti pour le gonflage. Ah. Oh là, dans le slime burp. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Des combats, bien sûr. Ah, des combats, bien sûr. Oh là. La vidéo du drapeau français surprise en pâte à modeler est terminée. Est-ce que ça vous a plu, les garçons? Oui, c'était super, vraiment super. Quel est le cadeau que vous avez préféré? Les zombies, bah oui, c'est sûr. Surtout que t'en avais plus que deux, pauvre chérie. Et toi, Néo? World of Warrior. Ah, World of Warrior aussi. D'accord, donc et les figurines. Vu que Swan n'a pas pu avoir son cadeau, je lui donne les deux. Oh, c'est gentil. C'est sympa. Mais je pense que c'est plus drôle si vous en avez un chacun quand même, non? Bah disons que vous allez partager ce cadeau. Oh, c'est gentil. Voilà, comme ça vous partagez le dernier cadeau. Et comme ça, deux cadeaux chacun, plus celui-ci en commun. Très sympa, merci Léo. Les copains et les copines, quelle est la surprise que vous avez préférée? Dans les commentaires. C'est au pouce bleu. Et surtout... abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. Oh là là. Oh là là, non, 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 ça c'est la bêtise. Bye bye les copains et les copines. Bye bye tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit pour la France alors pour la finale? Allez la France. Allez la France. Jordan,
Ah.